ton thème na biso ezali la paresse tue, c'est ça le thème. Le Seigneur a l'ingité biso bana na ye tozala ba paresse. Je vous ai dit que Zamba lingi biso te bana na ye tozala ba paresse. Je vous ai montré dans la Bible. La Bible nous dit dans les livres de Proverbes, la paresse tue. Tu dis que paresse ezamabe. La personne qui est paresseuse, la personne qui est fainéant, aux alikos s'est rebellé contre Dieu. Et j'ai dit, parce que je vous ai montré dans la Bible quand Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et Dieu a dit à l'homme de cultiver les jardins, de garder les jardins. La personne qui cultive les jardins, il est la personne qui perfectionne. Cultiver, venir perfectionner, développer, arranger, augmenter, c'est ça. Dieu avait mis l'homme dans les jardins d'Éden. Dieu avait donné l'ordre à l'homme de cultiver les jardins, de protéger les jardins. Et Tolobaki, ça c'était avant la chute. Et même après la chute, Nzamba Lobaki na moto, il faut moto à ça là. Zali Tomoni que la personne qui travaille, il est dans le plan de Dieu. Mais la personne qui refusait de travailler, il est contre Dieu. Il se rebelle contre Dieu. C'est pour cela que je vous ai montré dans la Bible. Je vous ai parlé de Lazare. Je vous ai dit le dimanche passé, Lazare, il était un enfant de Dieu. Lazare, il était né de nouveau, il était transformé, mais il était paresse. Et là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, Lazare. Mais Lazare a soit qui en côté, Lazare a simba qui en côté. Et là, il faut qu'il y a un peu de temps, et là, il faut qu'il y ait. Parce que Lazare, il était paresse. Zambalingi, na biso bananaye, tozala ba paresse te. Zambalingi, na biso libotanaye, tozala ba paresse te. Zambalingi, tozala bato, tozali ko travailler. Parce que tout mouri au commencement, quand Dieu avait placé l'homme dans les jardins d'Éden, Dieu avait dit à l'homme de cultiver, de travailler. Alléluia. Et sans plus tarder, rapidement, nous ouvrons nos Bibles. Dans les livres de Jean, chapitre 5, verset 17, c'est qui au Bible, quickly, sister, sister, Lina, sister, Nanou, sister, Cathy, sister, Biba, everybody there, take your Bible quickly. I need everybody to get your Bible, open your Bible quickly, book of John 5, and we can start to 17. John 5, 17. Prenez vos Bibles, ouvrons nos Bibles dans les livres des gens. Chapitre 5, verset 17. La paresse, la personne qui est paresseuse, et la paresse, c'est la tendance d'éviter tout effort, tant que physique que mental. La paresse, c'est une disposition à ne pas travailler et à se laisser aller. La personne qui est paresseuse, il est fainéant. Il se rebelle à Dieu. Et nous lisons rapidement, nous lisons dans les livres de Jean, chapitre 5, verset 17. Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. Si, » Mais si vous avez version Darby, moi maintenant je vais lire dans les versions Darby. Version Onatangeza, version Nabino, version Yosoto Tangaka, mais il n'y a qu'une version ya Darby. La Bible ya Darby, Balobi. Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille. Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille. Jésus a dit ici, mon Père il travaille, son Père travaille jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, Jésus ici, Jésus nous a montré, Jésus nous a parlé, le Dieu, le Père, il travaille. Et Jésus aussi, il travaille. C'est-à-dire, nous voyons notre Dieu, il n'est pas paresseux. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui travaille. Ton Dieu que tu pries, il est le Dieu qui travaille. Et Dieu ne veut pas que son peuple et son église, que nous soyons des paresseux.
Je ne veux pas que ses serviteurs, ses enfants, ses adorateurs, tout cela m'apparaissait. Parce que la Bible nous parle ici, Jésus a dit, mon Père jusqu'à maintenant, notre Père, il travaille. Le Dieu Tout-Puissant travaille. Le Créateur du ciel, il travaille. Jésus aussi, Jésus travaille. Et je vous ai dit, je le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Trinité, Bamonioso Trinité, Bazoko Sala jusqu'à maintenant. Yesu alobina biso awa. Papa Azo Sala, son Père il travaille. Notre Dieu que nous prions, Asala, Azo Sala. Le Père, Nzambe na biso aza paresete. Nzamba Zan, Nzambo Asalaka. Et Nzamba li va paresser, Dieu ne veut pas de paresser. Ma promesse moussousou et que kokisa ma vie na yo compte au côté les ma au travailler. Refuser la paresse, il faut refuser la paresse. La paresse, je vous ai montré dans la Bible, dans la vie de Lazare, la paresse a amené la honte, la mort. Paresse et que même ma malade est belé. Je vous ai parlé, je vous ai montré dans la Bible la paresse. Et ça m'a bien, il faut fuir la paresse. La paresse amène la pauvreté. Et parce que nous voyons ici, Dieu, par dit que Nzambe papa a tout ça là. Nzambe papa a travaillé. Dieu, il y travaille. Dieu a sa paresse. Et si nous voyons le monde, et ça l'œuvre de Dieu, quand nous voyons ce monde que nous vivons, et ça le travail de Dieu. Et jusqu'à maintenant, notre Dieu, il y travaille. Et pourquoi tu vas pas paresser? Pourquoi tu vas pas fainéant? Maman, papa, frère, nous allons dans le message. Peut-être que tu as l'opportunité, mais peut-être que tu es fainéant. Et ça, ma camou est belé, bon, il y a ça là. Mais peut-être que tu as l'opportunité de poser paresseux. Je vous ai dit, la personne qui est paresseuse, il a ça, mon tout le monde, même à l'icamou, bon, il y a ça là, il y a ça, mais maman, l'obi. L'icamou, oh, et c'est un ça là, maintenant. Ozo me mango lobi, lobio me miango lobi, tu es paresseux, tu es fainéant, tu te rebelles à Dieu. Il faut tout travailler, tout tellement tout travailler. À commencer dans nos maisons, à commencer dans nos maisons. Et ça, va papé belé, parce qu'il n'a pas salaté. Bah, comment va lazy, laziness kills. Laziness kills. Laziness, et l'ongolaga moutou Valère. Et l'ongolaga moutou Valère. Laziness. Dans l'accent sur la livre à proverbe, dans le bien, vous en avez vie belé, vous en avez souhaité belé, mais vous en paresseux, vous remontez à ma camouanate. Zamba l'ingito travaillé. Maman travaillé, papa travaillé. Surtout nous sommes, et puis bamboka l'ongola, bah pays mingi Afrique, n'est-ce pas mon imboka n'a pas au Congo. Si namboka la biso Congo na mutu ya Congo ya namboka la biso Congo to zui président moko ya bien o azo travailler pour namboka alingi mboka azo travailler pour namboka pe a sensibiliser peuple ba travailler to komata bamboko to zo mona ba Grande Bretagne ba France ba Allemagne bamboka na bazo travailler bamboka na bango so ke stable parce que bango bazo travailler aussi. Si nous voulons être stables dans nos vies, tout travailler. Peut-être que nous avons une opportunité, mais nous avons besoin de travailler. Vous voyez, nous avons besoin de Grande-Bretagne. Nous avons dit que nous avons besoin de passer 20 ans passés, 25 ans passés. Nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin de la terre. Le gouvernement peut avoir une opportunité. Mais ces derniers temps, le gouvernement monique. Non, il faut batouba ça là, t'as quelque chose. Il y a un bazo ça là, bas système, même au ça là, même t'as 16h, même 20h, au ça là, même aux femmes seules, aux âmes seules, mais bazo l'ingara comme motivé moutou, moutou ça là quelque chose. Parce que la personne qui ne travaille pas, est amabé. Il y a un bazo motivé batou, moutou fou ça là, quand même bas air à moukier. Balingi batou ba koti sa na mitou ya batou. Batou fou ba travailler. Bata la ba fainéanté. C'est ça. Travailler et ça la volonté en Zambé.
parce que tomoni na jardin dede zamba tie mutu na jardin zamba pesi mutu jardin mais alors na cultiver ko cultiver wa les travail zamba pesi mutu activité ya momoni le nom na ba Grande Bretagne bazolinga mutu fo sala tamoa ba tamukie sala tamami 15h sala même 16h sala bazol tinda batu basala ko ba lingi ba bazala active Bazan na bativité ko sala parce que gouvernement monique ba te belé 40 ans au sala raté 40 ans 25 ans mouto sala raté pour sala raté pour fanda non il faut travailler travail ils sont dans les plans de Dieu la personne qui travaille il est dans les plans de Dieu mouto asa finir que mes mamans gambo belé Fenéa que ma jalousie, Fenéa toujours parler awa, si on paresse, na connaissance vu son paresse, na bandenge belé, na katia Bible. Je vous ai montré d'abord le dimanche passé, l'homme riche, na pauvre Lazare. Pourquoi les gens appelaient Lazare pauvre? Parce qu'il était paresseux. Mais tandis que là-bas, nous voyons un homme riche. Pourquoi la Bible appelait cet homme riche? Tout le monde va penser naïe. Azaki Moutoubou Azaki active. Alors qui m'ont demandé qu'on sala, ma papa to sala, ma papa, papa sala. Même nous les serviteurs de Dieu. Et si on rappelle à un moment où on a ministère, bisomo ma pasteur, de soutenir nos ministères. Peut-être m'ont demandé un ministère au ministère des autres singa été embellé. Mais pour tous à la épargner, la bamaga moussousou, ba danger moussousou, s'il s'agit à moussali nanza moussala, sala na yo, pour vous à la épargner, la bamaga moussousou, vous à la épargner. L'homme de Dieu, vous allez qu'on sala na yé, à vous à la épargner, la bamaga moussousou. Tous ces a très important, ba nanza, mais la bonne exception, la carte de la Bible, awa, zamba lingite, tous à la paresse. Dieu ne veut pas que son peuple. Ses enfants, ses serviteurs, que nous soyons les paresseux. Parce que la paresse tue. Seigneur, à l'ingit, aux la bateau, aux autres travailler. Parce que dans la Bible nous dit ici, Zamba, azo sala, azo sala. Zambé, na bisoto, zambé, laka, asalaka. Azo sala, yo fani. Zambé, il y travaille. Notre Dieu travaille. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 1. Verset 1, Genèse, go quickly, Book of Genesis 1:1. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu vois, comme Jésus a dit, mon Père travaille, lui aussi Jésus il travaille, Jésus que nous prions, Jésus il travaille, le Père aussi il travaille. Regardez dans la Bible nous dit ici, au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire Dieu, à sa paresse, c'était notre Dieu, il est le Dieu qui travaille. Dieu, il est le Dieu qui travaille. Il faut travailler. Ne soyez pas paresseux, maman. Si nous sommes des paresseux, Togolobanzambaza, Asalagate, un jour Togolobanzamba Salagate, si nous sommes paresseux, un jour Togolobanzambangwa Koufa, si nous sommes des paresseux, Nanobi Nazo parlait sur nous, Nazo va tout travailler, Bokomona, même là-bas dans Israël, Obi Histoire y a Jéricho, na Histoire à Jéricho, Zambazo y a mis na Josué, Alobi na Pessibino ville à Jéricho, na Pessibino en haut déjà, na monde spirituel, Nzambe déjà fait ça qui bango, mais Aïbi si bango physiquement va bunda. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, nous avons pensé qu'il n'y avait pas de bénédiction, mais physiquement, il fallait pas travailler. Tu vois? Nous avons apparaissé, et nous avons pensé qu'il n'y avait pas. Nous, nous sommes des chrétiens. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, comme la Bible nous dit. Dieu nous a, il nous a déjà bénis. La personne qui a Dieu a Jésus à la vie. Je vous ai dit, Lazare, il était béni. Mais son problème, c'était lui qui désirait manger des miettes. Tu es béni. La personne qui est née de nouveau, il est béni. La personne qui a Jésus, il est béni. Nous sommes bénis. La Bible nous dit quelque part, nous sommes la tête, non la queue. Mais pourquoi dans la réalité, tu es la queue? Parce que quelque part, tu es la queue. Je vais vous montrer même Isaac. Isaac, il avait aussi travaillé.
Il était il travaillait. Les serviteurs de Dieu dans la Bible, et chaque fois dans la Bible, je vais vous montrer, Zamba m'a côté dans ma prophète naïe, pour pas émis à Israël, baza la paresseté. Ne soyez pas paresseux. Si tu travailles, Okoye Bapé, Valérie Yambongo, Okoye Bapé, Valérie Yambiouzanango, Okoye Bapé, soit ma responsabilité. Okoyeba kokonomiser, okoyeba kogérer, okoyeba okoyeba parce que c'est ça. Mais la personne qui ne travaille pas dans la société aux charges. Na Bible, je vous ai montré la personne qui est paresseuse à sa charge pour la batumusus. La personne qui est paresseuse, il est la honte. Il détruit. La Bible nous dit, c'est lui qui relâche à son travail. Il est parmi les gens qui détruit. Et ça la batumusus. Aujourd'hui, nous sommes au Kimak. Nous sommes la semaine, nous sommes à 5 jours. Nous sommes à 2 jours, nous sommes au Kimi. Nous sommes en retard. Nous sommes à l'Obéli Makolo, l'Obéli Moutou, l'Obéli Moukongo. Si vous avez un Nini. Et après, nous sommes à foutre un bon mouké. Mais nous sommes à travailler. C'est qu'un homme aura semé de moissonnera. Et ça, nous sommes à même dans le domaine de Misala, nous sommes à l'Obéli. Si tu veux l'argent, il faut travailler, il faut bosser. Nous voyons ici dans la Bible Dieu, Nzamba zaki nzamba maneko sa, mukilio to moni nzambe muta salango. Pe asalango complet, asalango parfait. Un jour to mona te ke ma pate kweyi. Nzamba sali bi bezolo ba, nzamba créé. Le visible, un monde invisible, le trône, dignité, et ça va bien sous tout le monde à gâter les ambassades. Vous voyez que vous avez trois ciels. Ciel autre, vous avez un monde. Et ça, le deuxième ciel. Et ça, le troisième ciel. Mais nous, quand nous sommes en train de créer qui en haut, parce qu'il est le Dieu qui travaille. Notre Dieu a sa paresseté. A sa envoie tout ça là. Je vous ai montré l'homme riche va te bêler, au lingo l'a bien, au lingo l'a ta bien, mais tu refuses de travailler. Et ça, il va les bêler, au lingo l'a ta bien, au l'a ta bien, l'a pas griffe, au sa pays, au mon côté. La Bible est déjà, tout le monde a qui Bible, le bina biso, homme riche, il portait des vêtements de pourpre, des vêtements qui coûtaient très cher, la Bible est le bibongo. Mais c'était l'homme qui travaillait, va te bêler, au lingo l'a ta bien, mais tu refuses de travailler. Ce que vous avez moi, c'est à son bel aïe. Moi aussi, et dans la bataille, belle, 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 ma couple belle, 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 nous les papas, nous refusons de travailler. Quand la personne qui travaille, tu es épargné à beaucoup de choses. On va nous occuper de Maramouzou soutien. On va nous relancer la Maramouzou soutien parce que tu es parmi les gens qui travaillent. Dans la vie, la vie, son homme riche, a raisonné. Comment faire? Mais tandis que Lazare, il était paresseux, il était couché à la porte de l'homme riche. C'est-à-dire, quand la Bible nous parle, il était couché à la porte. C'est-à-dire, ce qui passait dans la maison de l'homme riche, à Zalaki Kolandela, paresseux. Tout travailler, la personne qui est occupée, Oyaza Bizina Makambunaye, Oroza l'épargné, Narolande la Bavia Batou, Oroza l'épargné, Oyaza Jalousie Moussoupe et Kotara. Quand la personne qui n'arrive pas à travailler, et Abandonne la Bavia Batou, ça mène aussi ma jalousie, ma haine, ma critique. C'est pour cela qu'il faut tous à la occuper. Papa, on ne soit pas dans un message, Oyo. Zambé n'a plus soit Zamba Bosaka. Zambé n'a plus soit paresseux deux. Zambé n'a plus soit Zamba de travailler. Moukili Otozo Mona parce que ça bat de travailler. Monde saurait comprendre. Pays saurait comprendre que président Mboka saura comprendre qu'il faut bosser pour Mboka. Et le peuple aussi va bosser. Mboka a une économie qui est mata. Parce que Zambé, tout le monde est dans la Bible, Zambé va travailler. Totangi na verset 3, Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres.
Tu vois, Dieu, comme il travaillait, Dieu travaillait, Dieu créa le ciel et la terre. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible nous parle maintenant ici, Dieu a créé la lumière. Il a aussi créé les ténèbres, mais Dieu sépara. J'ai aimé, la Bible nous dit, là où Dieu a dit, Dieu sépara. Nous avons séparé. Et Dieu appela la lumière un jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Tu vois ici, Dieu, comme il était bosseur, comme Dieu, il était travailleur, comme Dieu, il était un Dieu qui travaille. Notre Dieu, Jésus a dit, mon Père travaille. Jésus aussi, il a dit, moi aussi, je travaille. Jésus, ici, nous voyons Dieu. Quand Dieu a commencé à créer, Dieu arriva à séparer la nuit et les ténèbres. La personne qui travaille, il arrive à séparer. À arriver à Kokoma, à niveau à séparer. C'est pour cela que Bandaki, j'ai lu passer. Zamba tchè moutouna Eden. Zanobinda kunayo eza Eden. Famina yo eza Eden. Balobin Zambé, il faut. La personne qui a Dieu dans sa vie, il arrive aussi à séparer. Oye Babilo kwe zanaga cuisine. Oye Babilo kwe zanaga ya chambre. Oye Babilo kwe zanaga na salle de bain. Oye Babilo kwe zanaga na salon. Zamba bani ko séparer, tu vois. La personne qui travaille, il arrive à séparer. Mais la personne qui est paresseuse, il mélange. La personne qui est paresseuse, biloko ya salon, il y a chambre comme il y a salon. Biloko ya cuisine comme il y a salon. Biloko ya salle de bain comme il y a salon. Tu n'arrives pas à séparer parce que tu es paresseux. Mais nous voyons ici, quand Dieu, notre Dieu, a commencé à travailler, Dieu arriva à séparer. La ligne ma maman, beaucoup me l'engagent, séparé. La ligne ma de connaissance au bazar en live. I need everybody, if you are in the line, I need you to write separation. I need everybody write where you are now, separation. Because God, he need you to do something, to do something, to do something, separation. La ligne ma maman, beaucoup me l'engagent, séparé, bien séparation. Parce que nous voyons ici, Dieu sépara. Évitez ce bozo l'anda. Vous le belanga, amen. Aïe, 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 aïe. Dieu, Zambé la biso, Azanzambo a travaillé. Il est le Dieu qui bosse. Zambé la biso, Azanzambo a zo sala, Azanzambo a zo l'hésité. Talanzambe awa, Dieu arriva à séparer. Ce qui est en train de se Nzambe wana. Abandi si koko séparer mai. Mai si koko kuna séparer. Asali Nicolo, asali Nase, te komona kuna, asali Boutou, asali Moyi, abengi lumière, alobi journée, abengi Boutou, les ténèbres. Zamba comme une amaï, Nassis, pour mon Zambazo Sala, notre Dieu, il est le Dieu qui travaille. Na verset 6, Balobi, Zamba m'a dit que Sala si comme maï. Ava dit que Sala maï. Ava dit que Pessa, au moins même ma mère, ma rivière, ma fleuve, Zamba m'a dit que Sala, même na ba limite nango. Dieu, il est le Dieu qui travaille. Zambazo Sala ba limite. Alobi maï ya mer, ya océan, au Rosala, au Robima na mokinite. Azan a ba limite, azo classé. Parce que Azan Zambo azo sani, Asalaka. Zambas apparaissait eux. Notre Dieu, il est le Dieu qui travaille. Et la personne qui se rebelle, la personne qui est paressée, il se rebelle à Dieu. Parce que Dieu, dans la Bible, il travaille. Oh, Talaba rivière. Talaba maï dengezalaka. Talaba fleuve dengezalaka. Talaba océan. Ba mer dengezalaka. Et ça travaille en Zambasala. Zambé n'a plus ce passé qu'à Zanzamboyo. À Salaka. Notre Dieu a zapparé cité. Et si nous lisons les versets 17,
Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et présider au jour et à la nuit. La Bible nous dit pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. C'est ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Zambazo salakaka. Zambé la bisa salaka. Sorti toke na verset 26, na verset 21, Dieu créa les grands poissons. Tu vois, Zambazo bosala créa. Il était un Dieu qui travaille. Dieu a dit par essayer. Dieu arrivait à séparer, à créer même des poissons, des petits poissons, des grands poissons, parce qu'il est le Dieu qui travaille. Et la Bible nous dit, Dieu créa, dans verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants. Et ce qui est donc dit, Dieu créa des oiseaux. A sali ba poisson, a sali maïkuna, tomoni a sali ba poisson, a sali ba nyama, a sali ba neke. Et si nous lisons le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il y créa l'homme et la femme. Nous voyons ici, nous amènes à Zanzambo à Zosala. Dieu a apparaissé. Maman, papa, Dieu, notre Dieu, a apparaissé. Il est le Dieu qui crée. Ceux qui te montrent à Gamoy, ils ont travaillé en Zambassali. Ceux qui te montrent à Gaboutou, ils ont travaillé en Zambassali. Ceux qui te montrent à Lumière, ils ont travaillé en Zambassali. Ceux qui te montrent à ba Forêt, c'est le travail de Dieu. Et si nous lisons le verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Si nous lisons... Zambé Nabiso, Azan Zamboyo, Asalaka. Notre Dieu, il est le Dieu qui travaille. Nazolo Banzambe, Azan Zambo à Bosaka. Zambé, Azan Zambo à Salaka. Notre Dieu, Aza paresseté. La personne, oh, Aza paresse, il se révèle à Dieu. La personne qui est paresse, il se révèle à Dieu. Parce que dans la Bible, nous voyons Dieu ici, Dieu créa. Et si nous lisons. Si nous lisons les versets Genèse 2, verset 1, Genèse 2. Merci, la séparation, la séparation. Il faut que nous arrivions à séparer. C'est bien de comme l'inga, séparation. Séparer, c'est bien. Parce que Dieu ici arrivait à séparer la séparation. Dieu arrivait à séparer le ciel et la terre. Dieu arrivait à séparer la lumière et les ténèbres. Dieu ne voulait pas que la lumière habite avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour. Dieu appelait les ténèbres nuit. La séparation. Si nous lisons Genèse chapitre 2 verset 1. C'est ainsi fit achever le ciel et la terre et toutes l'air armé, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute son œuvre. Et dans verset 3, Balobi, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia. Tu vois, Dieu se reposa après avoir travaillé, il se reposa. Batumosusu. À ça la gâte ma ligne, qu'on se repose, c'est ça n'est pas la paresse. Zambé d'abord, la personne qui travaille, c'est pour cela que je vous ai dit, il faut d'abord travailler, après le travail, peut-être qu'on se repose. N'a travaillé, n'a conseillé, parce que le repos est très important. Mais Zambé, la ligne, c'est tout à la gâte,
repos, 24 hours, non. Bible est en Ecclésiaste, et l'on connaît l'on qu'ils en attendent en haut. Ils en attendent à travailler, ils en attendent à paiement. Yo natango yo bongi yo travailler yo zo pema. Yo natango e bongi même na lobi même na magamwaza. Na moma oyo yo e bongi to za na ligne to yo kamatea to bonde la to prier. Na moma o zo singa yo za na présence en zam. Yo zo sala magamusus. Balbi nzamba za ya désordre te za ya ordre. Nzamba za ya désordre te maza nzambe oyo ya ordre. Nzambe na biso Aza ya désordre te, mais aza nzambe oya aza nzambe ya ordre. Nzambe aza ya désordre te, aza ya ordre. Na kendaki na Congo. Na kendaki na Congo. Na Congo na kendaki visiter église moko boy. L'église wana na moni, bazo prier soki 7 fois par jour. Par jour, soki 7 fois par jour. Nathalie Yango et chaque jour bazo prier na boutou bazo prier na ba, ba, prier na boutou ba prier na tongo soki na 9h ba prier na 12h ba prier soki na 18h ba prier ba ozomona bazo prier eza bien peut-être na façon oyo ezo permettre mutunyoso akota na contact selon emploi du temps na ye. Mais il y a chaque jour, prière il y a chaque jour. Selon le raisonnement, on dirait que on dirait bah, le peuple est en otage. C'est-à-dire que bah, soki, vous priez par jour sont 7 fois. Na 7 fois, wana même 5 fois. Et si vous avez 7 jours, bah, est-ce que vous avez temps il y a quelqu'un de comme ça. Vous avez temps. Il y a besoin que il y a ma famille na bango. Batona bazana tant, il y a pour bazana 24 sur 24 heures na église. Wana normalement selon nga na zomona no eza bere. Parce que chaque chose a son temps. Toza na tango ezo singa na prier, ezo singa tanga pe manafza na famille nga, tanga ezo singa na za na musala, tanga ezo singa na za na classe et comme za na te 24 sur 24 heures to comme na église. Non. Chaque chose a son temps. Nazan a temps où il faut qu'il prier. Nazan a temps où il faut qu'il sala. Ils ont un temps où il faut qu'il paiement. Ils ont un temps où peut-être. Na et des bananes n'ont pas de voir la classe. Ils ont un temps peut-être. Na fin de la famille n'a pas de banane. Ils ont un temps peut-être. Nazan a moussala. N'était-ce pas bon à temps. Ils ont un temps où il s'est dit Nazala. Ah, on a théa. Nathan où ils ont s'est dit Nathéa. Nazan a Nazan a moussala. Et ça m'a bé. Nata o ezo singa nga za école soki naza na musala et comme mabe chaque chose a son temps. Dieu aza Dieu ya désordre te aza Dieu ya ordre. Peut-être soki na lobi peut-être eza na mabondeli tokoti mabondeli ya 10 jours tokoti mabondeli ya 21 jours tokoti mabondeli ya 1 mois o ezo singa tokuta nga chaque jour to priaka mais soki komi ke programme moko ya libela ya chaque jour par jour tozo bonde la 5 fois tozo bonde la 5 fois par jour tozo bonde la chaque jour wale komi mabe parce que nzambe aza des autres états à ordre tant nini yo kozana musala tant nini yo kozana na ndako tant nini yo kolandela makambo abana tant nini d'où quelque part bible zolo ba awa chaque chose a son temps dans le livre Ecclésiaste. Nzambe aza nzambe a travaillé ka. Na biso ke eza moment oyo c'est et bon yo za na ligne au prier, za na ligne au prier. Parce que prier na biso so ke za 2 heures après 2 heures yo komona na ero okomi kolamba. Okomona na ero yo okomi so ki ko bongisa ndambo. Te nzambe za ya désordre te za ordre. So ke za yango di so ke za ba programme ba jeune to koyebi sabatu ba se préparer pour tous en la présence sans âme. Parce que Zambé, Aza y a des ordres, Aza y a ordre. Zambé, tu vois, il peut avoir Zamba sali, Zambé pas permis. Et comme on a fait un moment, on a besoin de payer à repos. On a travaillé, on a besoin de paiement. On a besoin de se reposer. Parce que on a payé maintenant, et on peut s'en sous ma casse. Et on peut s'en sous ma casse, Yassika.
D'où quelque part, tozo loba, menzambe, azanzambe, oyazales nesite, Dieu, il est le Dieu qui travaille, et Dieu veut aussi que son peuple, toza laba, peuple, tozo travaille. Rose la teke, na moment yoza na musala, okomi, angai, na kokosala musala, okoma noga neglige, okoma fana noga neglige, loba peut-être za la ba moment moko boye, oza la ba requête na yo, oza la ba prière na yo, oza na ba retraite, oza ko luka grâce sans ambe na domaine moko na likambu moko. Mais chaque chose, selon ngai, expérience na ngai, na umeli na magamu na nzambe. Ngai, na bando fana na église, 24 heures sur 24 heures neglige. Na sali na vie wana soki 7 ans na vie église na fanda na permanence na kati église na Congo plus de 5 ans soki 7 ans na fanda na kati église permanence 24 heures sur 24 heures dans une église dou makam na zolo bana yebi yango église ezan a besoin pe ya soutien na yo na église soki na batu baza 24 heures sur 24 heures bozo salate église ezan a besoin bo kemisala. Ba futi bino bo contribuer l'église bo sungi musala na nzambe bo sungi l'église na nzambe mais biso ba passer bo zo senga na sala parce que kokoma na moment moko bo église na na besoin to sombelo komoko na bo na za premier partenaire soki na zo sala na ozala mutu pe na ozala parmi na ba makambe bele du bana na nzambe za important to sala ba fainéant et to travailler to refuser fainéant na ba vie na biso. Parce que la Bible dit que la Bible est en train de se faire. Nous avons dit que 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 nous avons dit. Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Il y a un moment où il a vu que la séparation. Dieu est arrivé à séparer la lumière et les ténèbres. Dieu appelait la lumière un jour et Dieu appelait les ténèbres nuit. La personne qui est Dieu dans sa vie, la personne qui a Dieu dans sa vie, il arrive à séparer la lumière et les ténèbres. La personne qui a Dieu dans sa vie, cette personne-là arrive dans sa vie à séparer les ténèbres et la lumière. Et la personne qui travaille dans sa vie, il arrive à séparer les ténèbres et la lumière. La personne que Dieu a vue dans sa vie, cette personne-là arrive à séparer les ténèbres et la lumière. La personne qui travaille, cette personne-là arrive à séparer les ténèbres et la lumière. Il y a un moment dans la Bible comme il y a une séparation. Parce que Nzambe Awa a travaillé à séparer Boutou. A Bengi Moi. Mokwa journée, abengi mounili, abengi ango boutou. Nzambe a tikite boutou, boutou, na lumière zale sika moko. Dieu arrivait à séparer la nuit. Dieu arrivait à séparer la lumière et les ténèbres. Et c'est pour cela que je vous ai dit que la personne qui a Dieu dans sa vie, la personne qui travaille, cette personne-là arrive à séparer la nuit et la lumière. Naligi, totanga, rapidement, na mokanda ya, go quickly, totanga rapidement. Naligi tokede na, na Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Mama kambwa minene. Osala kama kambwele kela kabato. Zamba makambwa minene.
Ephésiens chapitre 5 verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande, et un sacrifice de bonne odeur. J'ai aimé là où la Bible nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Si Dieu, il était un Dieu qui travaille, la Bible nous dit, devenons donc les imitateurs de Dieu. Copiez Dieu. Babito copiez Nzambe. Babi awato zaraba imitateur en Nzambe. Comme des enfants bien-aimés. Modèle Nabiso Eza, Dieu le Père, tout copié. Tout copié Dieu le Père. Dieu, il est le Dieu qui travaille. Dieu est arrivé à séparer la lumière et les ténèbres. La personne qui a Dieu dans sa vie, cette personne-là arrive à séparer la lumière et les ténèbres. La personne qui travaille, cette personne-là arrive à séparer la lumière et les ténèbres. Mais la personne qui est paresseuse, il vit avec les ténèbres et la lumière. Cette personne-là n'arrive pas à séparer la lumière et les ténèbres. Et devenons les imitateurs de Dieu. Copier Dieu. Imiter veut dire copier. Dieu, comme il était un Dieu qui travaille, il a besoin de tout copier. Nzambe a besoin de tout copier Nzambe. Devenons donc les imitateurs de Dieu. Tout copier Nzambe. Tout ça, nous l'avons sali. À Sala. Dieu a besoin de travailler parce que nous avons besoin de travailler. Alors, devenons les imitateurs de Dieu. Et Dieu est arrivé à séparer les ténèbres et la lumière. La personne qui travaille, cette personne-là arrive à séparer les ténèbres et la lumière. La personne qui a Dieu dans sa vie, cette personne-là arrive à séparer les ténèbres et la lumière. D'autant à la verset 8. La verset 8, Balobi. Autrefois, vous étiez ténébreux, mais maintenant vous êtes dans la lumière, dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de la lumière. Car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Tu vois maintenant, la Bible nous dit, Balobi, Awa, marchons comme les enfants de la lumière. La personne qui a Dieu dans sa vie, cette personne-là arrive à séparer les ténèbres et la lumière. La personne qui a Dieu, il imite. La personne qui a Dieu dans sa vie, motoana akoyeba kotambola na ténèbres té, otambola na lumière. Balobi awa avant, tozala ki ba ko vivre na ténèbres. Maintenant nous sommes dans la lumière parce que notre Dieu, il vit dans la lumière. Notre Dieu, il est la lumière. Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Jésus a dit, vous aussi, vous êtes la lumière du monde. La personne qui a Dieu dans sa vie, cette personne-là, il faut que nous arrivions à séparer les ténèbres dans nos vies et la lumière. Et nous, nous sommes dans les camps de la lumière. On peut quitter, moutouazan en Zambé, à vivre dans la ténèbre et la lumière. Moutouazan en Zambé, dans la vie, naïe. Il faut n'aille pas qu'on sépare misala et lumière, na misala et ténèbres. Et nous, nous sommes dans la lumière. Parce que nous voyons Dieu, comme Dieu travaillait, Dieu arrivait à séparer les ténèbres et la lumière. Et la personne qui a Dieu dans sa vie, cette personne-là arrive à séparer la lumière et les ténèbres. Moutou a commis comme ça, la moutou a séparé, c'était. Moutou a ça, là. Alors, comme à peine à venir côté là. Makamouni n'est pas la ténèbre dans l'ombre. Makamouni n'est pas la lumière dans la garde. Moutou a zan en zan me katinaye. Moutou a n'ako vivre te na ténèbre. Ako vivre pete na lumière. Moutou a n'ako koma na niveau ya ko kabola. Lumière na ténèbre.
Nzambe to moni akaboli lumière et ténèbres. Balobi to kopie nzambe to kabola. Nous, nous sommes dans la lumière. Et la Bible nous dit ici, nous continuons dans verset 10, Balobi, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, ne prenez pas non pas aux œuvres des ténèbres. Mais Balobi, même plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qui se font en secret. Et Balobi, la 13 Balobi, mais tout ce qui est condamné, tout ce qui est condamné, manifesté dans la lumière. Car à tout ce qui est manifesté est la lumière. Bah, continue Balobi. C'est pour cela, il est écrit, réveille-toi, réveille-toi d'entre les morts, relève-toi d'entre les morts. Eh Balobi, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ te créera. Yosa kolala olingi pongi, osa parese, la mouka katina bakoufi, la personne qui dort, la personne qui est paressée, il dort, et cette personne-là, il est paressé, il se révèle à Dieu. Mais Balobi, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ éclairera. Et la verset 16, Balobi, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Travaillez, car les jours sont mauvais. Ma sœur, il faut que nous arrivions à travailler. Romains chapitre 13. Tu connais dans Romains chapitre 13. La verset 11, Romains chapitre 13, verset 11. C'est là. La verset 12, Balobi. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc les œuvres des ténèbres, revêtons-nous les armes de la lumière. Dépouillons-nous les œuvres des ténèbres, tout l'ongola. La personne qui travaille, Moutouana Gokoma Nanivoya Kolongola, Misalaya Ténèbres. La personne qui travaille arrive dans sa vie, Ayakolongola, les œuvres des ténèbres. Parce que n'oublie pas, Dieu, il est la lumière. Le diable, il est les ténèbres. Satan soit la ténèbre, Zamba soit la lumière. Yangon Zambé, na début au commencement, Dieu arrivé, comme Azakin Zamba, Manegu Kosala, à séparer lumière na ténèbre. Zamba lingite lumière na ténèbre fin et fin de sikamoko. À séparer mabé lumière ezalo ko la malam, ténèbre ezalo ko la mabé à séparer. Et la personne où ezalo ko travailler, cette personne là arrive aussi à séparer. Ko banda na ba vie na biso, vie na yo spirituel, vie na yo na Nzambe, ta relation avec Dieu. Parce que la personne qui est, la personne que Dieu travaille dans sa vie, la personne que Dieu travaille dans sa vie, cette personne-là arrive à séparer les ténèbres et la lumière. Nabanda kunabiso, naba vie nabiso, naba parcours nabiso. Il faut to koko mananivu ya kokabola. Parce que Nzamba za parese, Nzamba za travailler. Mutonda za parese akosangisa. A tikamoka ezala nango efana nango kawana ezala nango kawana mutwaza parese abalobi awa na l'exemple proverbe balobi na koti na bilanga ya mutwaza parese na koti na vini ya mutwaza parese na moni kuna ba mire kwei na moni kuna ba nzube ba epine boti partout pona nini ba c'est à dire quand on parle eza vina yo spirituel eza nda kuna yo eza ta maison ta vie spirituelle. La personne qui est paresseuse, cette personne-là n'arrive pas à séparer. Mais la personne qui travaille dans sa vie, cette personne-là arrive à séparer comme Dieu a séparé les ténèbres et la lumière. Maman, tu comment on y voit qu'on sépare les ténèbres et la lumière. Balobi, dépouillons-nous les œuvres des ténèbres. Revêtons-nous les
lumière. Marchons-nous, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin d'excès, les œuvres des ténèbres, tolongola. Na ligi totanga na Romains et na Hébreux na 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Na zopesa 2 versets totangi 3 versets aussi ici. Tozoke ne balembe balembe sur le paresse. La paresse tu Zambaligi toza la paresse te Zambaligi yoza la paresse te Dieu ne veut pas que son peuple toza la paresse te c'est pour cela malembe malembe toza ko étudier. Tomoni a la Bible, Jésus a le dit, papa Zosala jusqu'à maintenant. Jésus parle bien peine à Zosala. Même Jésus jusqu'à maintenant, Jésus il travaille. Et dans la qui s'y sont maintenant, j'ai dit passer dans l'accès qui sont dans Eden. Zambé na Eden a tient moutou mouta a pesé à l'obi mouta sala. Moutou après la chute, Nzamba bina moutou fa sala. Tomoni yé moukon Zambé a balbi a salaka. A créé, Nzambé tant à zo créé, a zo pour séparer lumière na ténèbre. Mouton zamba zo sala na vie na ye, mouton zana nzambe na kati na ye, moutou oya zana nzambe, moutou wana kokoma na niveau ya ko separe ma bena malamu. Ozala to zo mélange ma bena malamu, non. La personne qui a Dieu dans sa vie, cette personne là, arrive à séparer les ténèbres. Les œuvres du ténèbre et les œuvres de la lumière. Et nous, nous sommes les enfants de la lumière. La Bible nous dit, il nous a, dans les livres de Colossiens, il nous a transférés dans le royaume de la lumière. Il nous a pris dans les royaumes du ténèbre. Et il m'a transféré. Je suis, mon âme vit dans les royaumes de la lumière. Mon esprit vit dans les royaumes de la lumière. Mon nom est écrit dans les royaumes de la lumière. J'appartiens dans les royaumes de la lumière. Totangi, na 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Car à Dieu qui a dit la lumière brillera du sein du ténèbre. Balobi la lumière brillera. Ba mama moyo eh. Oh moyo. Ba papa moyo. Wa milele o. Yesu. Glory to Jesus. Ba yaya moyo. Oh moyo. Bilenge moyo wa milele o. Bona. Se motema tobongola yango. Yesu Masiya azuwa esika moyo moyo. Baya ya moyo. O moyo. Bilenge moyo wa milele o. Balobi awa kaka Dieu qui a dit la lumière brillera du sein du ténèbre et a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire aïe 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 la lumière brillera au sein du ténèbre et balobi awa balobi a fait briller la lumière dans nos cœurs zambé balobi lumière et kengenga na kati ya ténèbre pinza basala kinini. Appelle ici lumière na yena mitema na biso motema na yo zamba appelle ici lumière muto zamba appelle ici lumière na motema motoana azo vivre sous na pécheté akom go vivre na bosala malam muto akomi na lumière na kati na ye ala sou paresseté la paresse la personne qui est paresseuse il se révèle à Dieu le fainéant il se révèle à Dieu. La personne qui est paresseuse, motoana, au moment na paradis, zamba koye bisayo, eloko 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 ezala ki ayo, osui amote posa ki paresse. Nzambe lumière na ye e eza kongenga na mitema. Lumière nzambe sone koti na mitema na biso. Na vivre sous na ténèbre te, na vivre sous na paresse te, na vivre sous na péché te. Non, vivre sous tes babilogo et zanga na motina, baba cesse, non, vivre sous tes lumières en zambé, côté na motema nanga. Parce que les zamba
séparaka lumière na ténèbre. Okoza toza na nzambe zo vivre na nzambe na ténèbre. Même mi bezolo ba na livre ya Apocalypse. Na pompi kaka pompi wana ba li oza motote oza malilite oza tiède. Na nanga o mela ma tiède. Ma ya tiède ezanga ku. Mela ma ya tiède ezanga ku. Ma yona ka keza mwa moto ma yona ezanga malili. Soit melama ya moto, soit melama ya malili. Nzamba lingite, oza la tiye na viyako sanza yo. Oza na nzambe, nzamba za limiere, mozo vivre na tenem. Oza na nzambe, oyo wanaka na limiere te. La personne qui a Dieu dans sa vie, cette personne là, la personne que Dieu il travaille dans sa vie, cette personne là arrive à séparer les ténèbres et la lumière. Et quand Dieu a commencé à travailler, et la personne qui travaille aussi dans sa vie, la personne qui travaille dans la vie spirituelle, dans sa vie spirituelle, cette personne-là arrive à séparer les ténèbres et la lumière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. Toke Balobi, vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Vous êtes tous. Nous sommes tous les enfants de la lumière. La personne qui écoute ce message, ma soeur, la personne qui écoute ce message, mon frère, la Bible nous dit ici, nous sommes tous les enfants de la lumière parce que Dieu, il est lumière. Et la personne qui a dit dans sa vie, cette personne-là arrive à séparer les ténèbres et la lumière. Et nous, nous sommes dans la lumière. Yomoni Abalobi Awa. Vous êtes tous les enfants de la lumière. Les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Naligi, 1 Thessaloniciens. Bisonio Soto Komango, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 5:5. Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5. Balobi, nous tous, nous sommes les enfants de la lumière. Et la personne que Dieu travaille dans sa vie, la personne qui n'est pas paresseuse dans sa vie, cette personne-là arrive à séparer les ténèbres et la lumière. Et nous, nous sommes dans le camp de la lumière. Nous, nous sommes les enfants de la lumière. Quand on lit ça, Colossiens chapitre 1 verset 12, nous lisons dans les livres de Colossiens chapitre 1 verset 12, moi je pense que je vais m'arrêter ici, les génies qui viennent, je vais vous parler de la paresse, je parle de la paresse, la paresse tue, Dieu a zaragi paresse te, Dieu a zaragi azanzambo azosala, Jésus a lobi papa azosala, ngapena azosala, et les génies qui viennent, je vais maintenant vous montrer Jésus maintenant l'œuvre de Jésus. Les génies qui viennent avant l'acception, Moussala Jésus avant d'être Bossala. Pour Jésus, il n'y a pas l'objet, il n'y a pas Zossala. Papa Sala, Azossala, il n'y a pas Zossala. Saint-Esprit Père Azossala. Bon, je sais pas pourquoi vous allez apparaître. Même les apôtres dans la Bible, Bangobe Basala qui, Bazaki m'apparaissait. D'où pourquoi vous autres allez apparaître? Pourquoi vous autres allez m'aimer? Et ça, ma gaboua qui toque en Zamba, bon, monsieur, pour na yo, aux amouana, il y a lumière, il y a de bonnes choses que Dieu a préparées pour ta vie, ma soeur. Et Zamba, il y a un message, oyo, pour émotiver, biso, et t'aider, misa, biso, na, on a kweyaki, yomuto kweyaki, yomuto lembaki, zoa, les sous ma casse, tellement travailler. Même si n'a échoué, les lots, et les gars, le matin, que l'homme, il a échoué. Je vous ai dit dans la Bible, je vous ai dit, Motoro ya salaka mwinda électrique, Thomas Edison, il a échoué plus de 10 000 fois. Cet homme a dit que j'ai échoué plus de 10 000 fois. Mais un jour, la réalisation de son rêve est ça qui accomplit. Edison, à ce qui pensait avoir ça la mwinda électrique. Mais a échoué qui plus de 10 000 fois. Et il dit que l'échec n'a pas eu de l'eau. Et ça, l'échec n'a pas eu de l'eau. Pour éviter 11 ans, on s'en a pas eu de l'eau. Le loco qu'on croit, le loco qu'on a annoncé, le loco qu'on a tant que tu es vivant, et ça, espoir, tant que tu es vivant, God
gonna make a way for you. Et c'est pour cela Dieu a voulu que chacun de nous, nous arrivions à écouter cette message. Ne soyez pas paresseux. Dans la Bible, je vous ai dit, je vais vous montrer. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous donne, je vous ai donné, je vous donne cette ville de Jéricho. Mais allez, combat. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses dans ma passion dans le monde spirituel, mais aligné dans le monde physique, on sent quelque chose. Il faut tout travailler. Tout le monde dans le domaine. Vous avez un projet pour la vie. Vous avez un projet pour la vie. Vous avez un projet pour la vie spirituelle. Vous avez un projet pour la vie familiale. Et travailler avec Dieu. La Bible nous dit, manque de vision le peuple est sans frère. Ceux qui ont la vision, c'est... Tu vas avoir un peuple sans frein. Mais la personne qui travaille avec des visions, j'ai une vision, cette année c'est mon année, je vais accomplir des choses, cette chose, et je travaille. Et quand Dieu il te donne cette vision, il donne aussi la provision. Travaillez! Et lui, quand le matin, passez au mon année, il y a un peu la lobby. Et lui, quand le matin, échec aujourd'hui, il y a un peu la lobby. Non! Lobby peut-être ça n'a jour à gloire pour nous. L'homme peut-être a un témoignage à mon épaule. L'homme peut-être. Obi, histoire. Il y a princesse. Princesse Mega. Princesse Mega, tout le monde a une histoire. Na y a un passé. Il y a un balaka. Il y a un balaka. Il y a un problème conjugal jusqu'à à se divorcer. Maintenant, il y a un balaka. Il y a un prince. Nana n'ai pas dit que moi, je ne suis pas la prince. Mais peut-être, tant que je ne suis pas problème, je ne suis pas un problème. Je ne suis pas un problème. Je ne suis pas un problème. Je ne suis pas un. Ta vie, ta future, c'est Dieu qui connaît ta future. Mais chaque nous, il y a et quand on a dit que chaque nous, il y a. Non, c'est Dieu qui change le temps. C'est Dieu qui change la vie de quelqu'un. Vie peut-être où ils ont demain pour nous, ils ont vie à gloire. Joseph a souffert, mais ils ont tant à gloire pour nous. Et ces gens-là, ils étaient des gens qui travaillaient. Ces gens-là, parce qu'ils m'ont paraissé. Joseph, dans la maison de Potiphar, Joseph travaillait. Même en prison, Joseph, il était en prison, mais il travaillait. Et c'est pour cela l'élévation est venue. Peut-être que vous avez vu mon meilleur libosonayo. Peut-être que vous avez vu mon témoignage libosonayo. Mais chaque moussous, benzamba lingala, tout le monde en a vu. Pour l'obito, c'est un témoignage. Pour l'obito, tatola. Pour l'obito, l'endi sabato. Kolembate, tant que tu es vivant, lève-toi. Tant que tu es vivant, lève-toi. Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors. La mouka. Réveille-toi, toi qui dors. Et ça, mouto, l'embinaye. A comme il paraissait, à l'embinaye, s'il était. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ éclairera. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui éclaire, qui amène la lumière, la consolation, l'élévation, la restauration. L'inoueza, yo maman. Ta vie, nous avons même taillé bien. La vie de tes enfants, c'est Dieu qui connaît. La vie de tes enfants. Tes échecs aujourd'hui, peut-être le mec à la gloire pour Nayo. Et ça n'a pas porte où nous sommes au fond de la yo. Et ça n'a pas gloire où nous sommes au même yo. Qu'on les batte, même aux autres bundana, la vie bundana. Même aux autres bundana, ça n'a pas projet de travailler. Même si c'est au Simba, les autres, le mec est Simba. Kotikala mabe, totikala nase, mabe, natikala kokoya, mabe, natikala bibelobi, réveille-toi d'entre les morts. Téléma, même au kouy téléma, continuez.
mabe natika la kaya kokufa natika la kaya kolala nanza mbenza mbasalaka tele manza mbela biso tili lwa zo sala ya wanza mbazo singa biso ndo travaye po ame maye sika ye linge yo kende ame maona gloire na ye ame maona elevasyon na ye nzamba salaka na moto pa zo sala oyebi ya memi Saint Esprit bola na kama lamu nene tu badiko comprendre Saint Esprit akosala na nzoto eza na sante pe ya malamu Saint Esprit alinginga umuninga nena zote ya boye c'est le Saint Esprit nda zote ya katinanga mais ce qui peut être physiquement naza na maladie physiquement obona pe peut-être na côté ya vraiment ndinge penda na mesanité po naza affaiblir na nzoto mais ce qui nzoto ça ma casse Saint Esprit pas ko utiliser na ma casse. Nous sommes en santé à bien, ceux qui ont travaillé, ont la condition à bien, ils n'ont pas utilisé ma casse. Tout c'est pour cela qu'ils ont motivé par la mandat, mais tout ça n'a pas paraissé. Tout est là, tout travaillé. Tout est là, il s'est là, ténèbres, ils ont raté péché, ténèbres, ils ont la bassesse, ténèbres, ils ont la négativité, ténèbres, ils ont la koïma, mirmir, ils ont la ténèbres. Tout là, t'as espoir. Tout est le matou travaillé. Mais chez qui nous y a le lot. Oyebi, te peut-être le binza m'a changé vie na yo. Oyebi, musulman, oyo, aoutaka mali. Oyo, azalaga, le nobos ou atala moua na soki na 4e étage. Mamadou. Hein? Et comment on a mon maman ou babi Mamadou. Mamadou, akouta na président. Mais ça n'a pas tout moussousou. Akouta na président, soki azalaga déjà son 4 ans. Il n'a pas Bamba Mamadou à côté de la présidente, il n'a pas changé vie à Mamadou. Hein? Mamadou n'a pas changé vie à sauver qu'à moi dans son 4e étage. Mamadou a côté de la présidente de la République. Hein? Bah, tu vas continuer à le point. Mais Nzambe, tu vas continuer à le virgule. Quand on bat tellement, c'est la position pour travailler. Ce que c'est un moment où ça, la salle, au salle, à quel moment ça, la naïo. Et que aider aux moi bon moi on fout à pas partir. Et que aider économiser moi mouké. Et que aider au père musala nzambo sunga parce que musala nzambo ceux qui osana ilo koto ko sunga nani mais ceux osana mouké et que aider au fout va partir au cadis il peut nzambe au bon il peut quelque chose. S'il s'agit de prier dans moment prier kota là il prier adorer nzambe na yo. Ouais mais c'est du souffle de vie. Mati est toujours dans le temps, il va passage. Tout ça, la gêne, il y a tout ça, tout ça, l'hygiène. Dans le moment où il s'est dit, l'homme est là-bas, l'homme est là-bas, on te l'a pas dévoué là-bas, on te l'a pas dévoué là-bas. 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 Chaque chose a son temps. On te l'a pas apparaissé. Ce qui t'a commis qu'a brûlé mes tapouanas, c'est-à-dire, n'a lingi qu'on salate, n'a lingi qu'on sambelate, n'a lingi qu'on sanda qu'on angate, n'a lingi qu'on sanzo qu'on angate, n'a lingi qu'on lande la banane angate na classe, n'a fani nzambende, la personne qui est paresseuse, il se révèle à Dieu. Na Colossiens balobi, Colossiens chapitre 1 verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tobandeli Balobi, rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nzamba kotisibiso babito kumisaye ya kotisibiso to komi na héritage na biso oya pesa na basin na ye dans la lumière. C'est-à-dire nous sommes les enfants de la lumière. Balobi après Balobi il nous a délivré Balobi awa qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. Nzamba a libéré biso. La puissance à ténèbres, la puissance à malédiction et cannabiso,
na puissance ya pauvreté kangabiso, na puissance ya mort subite kangabiso, na puissance oye kangayo koko avancete, okoko kenete, olingo kende boye, musu akanyo na lokolo, abendio. Tokoma ko vivre lokola ba 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 bananyo yo. Dieu, il nous a libérés, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils, dans son amour, il nous a transférés. Ma vie appartient dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de la lumière. Ta vie appartient dans le royaume de la lumière. Nous avons le moulin à la ténèbre. Nous avons 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 la ténèbre. Ténèbre, la pauvreté. Ténèbre, la maladie. Ténèbre, ezali échec. Ténèbre, la force à ma vie. Ténèbre, la puissance diabolique satanique. Ténèbre, ezali ma camo et zombie. Ma vie, Dieu nous a libérés. Nous avons la ténèbre. Nous avons la lumière. Lumière, nous avons la lumière, nous avons la lumière. Moi je pense que je m'arrête ici. Je suis un messager, je suis un bonde là. Je pense que le Seigneur nous a parlé d'une manière ou d'une autre. Selon la parole que tu as écoutée, tu vas maintenant prier. Prier pour ta vie, prier pour ta maison, prier pour tes enfants. Tobondeli, alléluia.